Mais tes baskets et bas la maladie, bah pour moi ça représente plein de choses, vu que c'est symbolique, tu mets tes baskets pour aider les gens malades. Je ne les aide pas vraiment, mais tu leur apportes du soutien, ce qui est important. Ces gens, bah, ils peuvent pas courir. Alors si nous on peut leur donner l'espoir qu'ils peuvent un jour courir, bah c'est bien. En fonction de l'impact de la maladie sur nos enfants, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Et voir ces petits prêter leurs jambes et donner de leur force, de leur énergie pour ceux qui en ont un peu moins, ça force le respect. Parce que nous faisons des actions sur tous les parcours qui concernent les collégiens. Et le parcours, et ce parcours-là à la citoyenneté, c'est un parcours qui est important. C'est un parcours qui va développer chez les enfants de l'empathie, de l'altruisme et le droit à la différence. Et tout ça, c'est des notions qui nous tiennent extrêmement à cœur. Puis à la naissance d'Ella, on est parti dans un métier basket déjà 95, même avant dans Lucie. Il me semble que 95, ça devait être une des premières éditions. Et puis c'est un acte citoyen. Ouais. Des actions citoyennes dans les collèges et les lycées, on essaye d'en mener de différents types. Et celle-ci, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Alors c'est vrai que pour les enfants, on peut faire qu'un cross, on peut faire d'autres choses, mais nous, on a décidé de le faire sous cette formule-là, de multi-activité. J'ai vite compris que la fidélité dans l'engagement était quelque chose d'absolument nécessaire pour Ella, parce qu'on a besoin de... Face à un combat qui reste inégal contre une maladie difficile, on a besoin de durer, on a besoin de tenir, on a besoin d'endurance finalement. Et donc ici, au lycée Mangin, au collège Mangin à Sarrebourg, bah, on l'a, quoi, cette fidélité-là. Et quand on peut associer dans le cadre de Mété Basket à la fois l'engagement sportif et l'engagement tout court, l'engagement humain, l'engagement de cœur, bah, c'est génial, voilà, et c'est ce que permet Mété Basket. Déjà, j'aime bien ce que l'association fait pour les enfants atteints de cette maladie. Et bah, j'espère que ça va continuer comme ça et que tout le monde va mettre ses baskets et va battre la maladie. Mété Basket et bat la maladie!